Pour faire le rallye, en sortant de l'EPMC, tu prends à gauche dans la rue de Luxembourg. Au carrefour, tu tournes tout de suite à gauche dans la rue Wurtpaquet. Tu longes cette rue jusqu'au bout. Tu passes devant la clinique et des parkings qui sont sur ta gauche. Tout au bout, tu prends à droite la rue Émile-Meyrich. Devant toi, tu vois l'hôpital. Tu longes la rue avec l'hôpital à ta gauche. Tout au bout, tu tournes à gauche dans la rue Jean-Pierre Michels. Après l'hôpital, tu arrives au lycée Hubert-Clément. Mais l'entrée n'est pas là. Prends la deuxième rue à droite, c'est la rue du Général Patton. L'entrée du lycée est tout de suite là, sur ta droite. Après, pour aller au lycée Guillaume Crolle, tu continues dans la rue du Général Patton. Et quand tu arrives au boulevard Grande-Duchesse Charlotte, tu tournes à gauche. 50 mètres plus loin, tu prends à droite dans la rue Victor Noyens. Tu la longes sur environ 150 mètres, puis tu tournes à gauche dans la rue Arthur Uselinga. Tu continues sur environ 350 mètres. Et au rond-point, tu tournes à droite dans la rue Delrange. Environ 500 mètres plus loin, tu arrives à un autre rond-point. Le lycée est devant toi, sur ta gauche, dans la rue Henri Corre. Enfin, il faut revenir à l'EPMC. Pour ça, tu prends la rue Henri Corre, tu retournes au rond-point, et là, tu vas tout droit dans la rue Josquifa. Elle est longue, il y a quelques maisons à droite et à gauche tu vois des entreprises, des parkings, des garages. Tout au bout, tu tournes à droite dans une rue importante qui s'appelle la N4D ou la pénétrante de l'Ankels. En arrivant au bout, tu traverses le boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Et tu prends un petit chemin juste devant, interdit aux voitures. Un peu plus loin, tu tournes à gauche dans le boulevard Winston Churchill. Tu vas jusqu'à la place de la Paix. Tu continues tout droit dans la rue Léon Metz. Et tu retrouves le rond-point qui est tout près de l'école. Là, tu prends à droite dans la rue de Luxembourg. Et l'école est juste là, sur ta droite.